Là, c'est le monnayage qui fait des thunes. Hein. Merci le PIB. Hein. Alliance. Ouais, ils sont pas chauds, hein. Ils sont pas chauds, quel dommage. Ils sont pas chauds. Alors, qu'est-ce qu'ils me veulent? Non, j'ai parti d'extrême gauche et d'extrême droite. Donc, soit je choisis un parti centriste, soit je choisis. C'est ça? T'as communiste. Bon, t'as extrême gauche et t'as extrême droite, en gros. T'as une ligue libérale qui est un peu centriste. Je suppose. Je t'avoue que. Ouais, ouais. De toute façon, j'ai besoin de dynamisme aux élites intellectuelles. Je veux absolument faire sortir lui qui est haï, putain. Moins 85 de popularité. Tu te rends compte de ta connerie, toi? Tu te rends compte de. Tu te rends compte de comment, à quel point tu me fous dans la merde avec tes conneries? Pas baisser plus les taxes, je peux pas. Ouais, je suis déjà max. Oula! Oh, restez loin de moi, tout ça là. Chut, dégagez, chut, voilà. Oh, on est 10e en rang. Pas une culture de bien. Pour semaine, vêtements de luxe. Il manque vraiment juste les meubles de luxe quoi pour finir et avoir mon succès quoi. Mais. Ah putain, il m'en met toujours deux fois plus dans la tronche. Et là je peux même pas dire j'augmente à fond. Même si j'augmente à fond. Il en produira plus que moi. Putain, fait chier ça. Parce que j'ai pas d'autres territoires. De toute façon, dans tous les cas, j'ai pas d'autres territoires pour augmenter la production. Ah, j'ai peur que le succès. Ouais, je pense que le succès est raté. Dommage. Dommage ça. Aïe aïe aïe. Ouais, je suis déjà à 69 donc. Le fait d'augmenter à 100, je sais pas à combien j'aurai un bonus, mais. Là j'ai un bonus de capacité de 70%. Tu es du niveau 70 bientôt. Ok. Sans les bureaux qui ont. Oh, ça fait du bien. Oh, regardez ça. Oh, l'autorité, enfin. Enfin. Ça y est, enfin, j'ai un peu d'autorité. Que... Bon. Donc, industrie de manufacture. Voilà. Augmenter de 20% ma production, hein. On va faire ça. Oh purée, j'y croyais plus. Lui, il me rapporte, mais 95 en raison de sa popularité, quoi. Je passe de moins 85 à 95. Putain. Heureusement. Heureusement qu'il est passé Freud, là, Sigmund Freud. Sinon, sinon j'aurais pas eu l'augmentation de 80 de 25% de production. Et là en vrai. Et là je passe déjà à 5000 mine de rien. Et là ça m'a bien boosté ma prod en vrai. Il y a peut-être un monde où ça se passe encore. Alors, je vais retirer tout ce qui est pas usine de meubles. Et je vais tenter un all-in. J'ai pas trop le choix. Ah, c'est illimité, ça s'arrête pas à 30 à 100? Ah, mais je savais pas ça. Ouais, non mais all-in, direct. Ah, mais je pensais que c'était limité. Hmm.
Putain, mais ça veut dire qu'on peut avoir un bonus de prod? Oh, il doit s'arrêter à 100 quand même. Ça doit s'arrêter à 100%. C'est là, rien qu'un bonus de prod de 70%, c'est énorme. Ça ira encore mieux avec le soudage de l'arc, 35 mois, 3 ans. Ouais. Quand même un bon prestige. Hein. Le PIB. Le PIB par habitant surtout, vous aimez bien. Là, je suis deuxième au niveau de l'alphabétisation. La Scandinavie qui est devant, mais rien. Il stagne un petit peu comme au niveau de vie. Hein. Ah ouais, non mais on va blinder les manufactures de meubles. Hein. Ah, je veux pas savoir. C'est manufacture de meubles sur manufacture de meubles, les gars. Ah ouais, là je suis refait. Le défi est encore gagnable. Personne ne sera fin, on irait à Franconie. Ok. Donc vers la Bavière. Ça doit être là la Franconie. C'est l'état du nord, je crois, de la Bavière. Ouais. Arme du gouvernement. Putain, je les fous très bien dehors. Surtout à cause de lui. Aïe, non mais. Garde ta place, hein, s'il te plaît, garde ta place à vie. Hein. Je veux pas savoir. Garde ta place tout le long de ta vie, mon ami. Capacité d'imposition. C'est pas si mal, ça. Non, c'est pas chez moi, ça. Parce qu'en capacité d'imposition, là, je suis à 488 sur 636, sachant qu'on m'a rajouté un bon petit 25%, là, quand même. Radio disponible. Bah, j'en fabriquerai pas. Oula! Calmez-vous, les gars. J'ai besoin de fabriquer des meubles. Pour ça, j'ai besoin de bois dur et de tout ça. Donc, vous énervez pas. Je veux pas être en pénurie. Allez, bois dur, déjà, il n'y en a pas des masses. Hein. Ah non, mon charbon, mon bois, ça va être la merde. Aïe aïe aïe, je le sens mal. J'ai peut-être été content un peu trop vite. De Wolof, on va vers l'état de Ontario. Ouais. 35 000 paysans? What? Comme ça d'un coup? En plus, c'est même pas chez moi. Ah, il y a une arrivée massive là. Attends. Putain, on est à 5 millions. Putain, la partie a commencé à 200 000. J'ai fait 25 fois la population. Watata. 25 fois la population initiale. C'est magnifique, j'adore. Ok. Je tire d'Ahomey. Sérieux là pour le. Pour ça là? Ok. Oh, ouais, bah la petite invasion là, ça pigote. Allez, plus de meubles. Allez les gars, plus de meubles. Allez. Ça construit pas assez vite. Bon, par contre, je suis à 5400 meubles, ça n'a pas des masses augmentées. 9000. Ok. Ok. Mince à voir, ils sont consommés où ça d'ailleurs? Solde. Moins 2000! Oh putain. Vache. Ils sont consommés comment hein? Ah ouais, les routes commerciales. 8000 en routes commerciales. Oh, le blé, toi. Oh, le blé que ça fait.
On a toujours plus de d'immigration. Ça, c'est bien. Mais il va falloir qu'on augmente l'administration gouvernementale. Pas trop le choix. Hop, page précédente. Chut. Merde. Discussion au coin du feu. Oh, plus d'autorité. Oh, plus d'autorité, oui. Putain, je suis passé d'un déficit d'autorité de fou. Ah, on a des thunes. Enfin, on a des thunes. On a d'autorité. What the hell? Là, par contre, d'un coup, là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, oui, non, d'accord. C'est parce que c'est, j'ai pas d'aide. Enfin, j'ai plus d'aide. À la construction, parce que mon fonds d'investissement apparemment ne prend pas en charge les administrations gouvernementales. Putain, plus 17 millions. 17 millions du fonds d'investissement, quoi. Peut-être qu'on construire des bâtiments, la vache. Et une fois que ce sera construit, hop, ça pourra repartir sur du fonds d'investissement, je suppose. Après, on a toujours 100 000 de bénéf. Pour juste le Luxembourg, je trouve que c'est plutôt très rentable. Très, très, très rentable. C'est là, on est en état de Styrie. Je ne sais pas où c'est la Styrie. Ok, ça assujettit et... Ok. Par contre, il va falloir construire plus vite, les gars. Ok, on va mettre la, les bouchées doubles là. Merde. Voilà. Ça va construire. Secteur de construction, on en fait 5. On veut plus de construction, là. On veut que ça charbonne. Hop, donc de 70. Je suis passé à combien? Ah mais c'est vrai qu'il va falloir promouvoir aussi les. 81. 93. Ouh. Où les manufactures de meubles? 100. 106. Oh, ça va être encore plus vite avec les soudures à l'arc. Ouh, on est bien. Ouh, voilà. Là, ça produit vraiment. On va falloir faire un petit peu de... Quelques voies ferrées, je crois. On a plus 27, ouais, quelques voies ferrées, ouais, ça fera pas de mal. Là c'est bien, là c'est bien. Là c'est bien, et là c'est bien. C'est mieux s'il y avait un peu de pétrole, mais on a pas de cas. On fait avec. Et là, va falloir produire, les gars. Je vous dis, les meubles. Va falloir produire du meuble. Hein. Voilà, 6000. En fait, notre 6000 meubles de luxe par semaine. La vache. Et on a encore un bon solde. On est à moins 3000. On a de quoi produire. Lui, il doit en produire 9000 en plus. 8000. Oh, oh, on se rapproche, les gars. On se rapproche. Il en produisait 9000 et il en baisse. Il me laisse les produire. Je sais pas. Il baisse sa production. Je sais pas trop comment il se débrouille, mais... Ce que j'espère, c'est que je suis toujours premier avec les autres. Voilà, on va aller dans le prestige. Ça n'a pas l'air d'avoir trop bougé. Complètement de luxe, porcelaine. Yes. Oh, le succès qui est à portée de main, là. Oh, le succès qui est à portée de main. Bon, je ne crée pas une victoire trop vite. Hein. Il suffit d'une révolution en France pour baiser le marché ou ce genre de truc-là. Ouais, Prusse radical.
Ouais, ça peut très vite se propager. Ok, 6015. J'aimerais bien ça, mais il n'y a pas d'électricité. Pas assez. On va réussir. On va y arriver, allez. Sur le positif, on va y arriver. Tas de Sicile, ok. Centrale téléphonique internationale. Bah, si tu veux. Ah, ça, c'est justement dehors, hein, le prix sera dégagé. Tant qu'à faire, hein. On a amélioré nos relations. Hein. Ils ont l'air un peu plus puissants. Soudure à l'arc électrique. Ça y est. Alors. On va faire ça, les antibios. Et on a ça. Putain, ça coûte cher. Ça va me coûter combien là? Plus 40 par niveau. Plus 40 par niveau! Ouh, du. Ah ouais, ça. Ouais, quand même, c'est. Ouais! Ah ouais, c'est. C'est pas donné, quoi. La vache. Bon après. Oh! La liste! La liste de prod! C'est génial! Je sais pas combien de temps ça met honnêtement. 26 semaines. Et là, temps total. Putain, 37 semaines de temps total avec. Je sais pas combien il y en a en construction, honnêtement, je saurais même pas dire. Oh là là, j'adore. Alors, je vais juste vérifier que je sois pas en dèche de d'infrastructure. Ouais. Ça risque d'arriver plus vite que prévu, ça. Donc, tac, 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 tac. On les fait d'abord. Ça, on est sûr de pas tomber, de pas avoir de mauvaises blagues. Et alors là, mais 6900. Il y en a 9000. 8000, allez. Il en a un peu plus de 8000. On est bientôt. Encore une bonne production de 1000 meubles de luxe. Et on a enfin ce succès luxueux. Luxembourg. Voilà. Ça fera plaisir. Succès difficile en plus. Ah, tu m'étonnes. Elle est niveau combien là, niveau 94 l'usine? Capacité de production plus 90%. Ah ouais, voilà. Ça doit être. Ça doit être. À mon avis, on peut pas atteindre plus de 100% de prod. Ouais. Même plus de 90%. Ouais. Ce sera 90% de production et pas plus. Ok. On a combien? On a quelques paysans, quelques sans emploi. On a vraiment beaucoup d'immigration. Ça, c'est bien. Heureusement. Heureusement. Oh là là, on a multiplié par 26-27, on a 2500 à 2600 % de population supplémentaire. C'est dingue par rapport au début de la partie, quoi. Ok, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Alors, est-ce qu'il va y avoir besoin de monter à plus qu'un niveau 110 pour avoir le succès? Ouais, j'ai bien. Oula, utilise 110 des 103, ouais. Je vais être en pénurie là, forcément.
Luxueux Luxembourg, ça y est. Oh, ça y est. Oh non, vous le voyez pas. Attendez, si, peut-être. Attends, j'ai pas le retour en fait. Ah oui, si, si, vous le voyez, c'est bon. Oh, luxueux Luxembourg. Oh, viens de l'avoir. Oh, mamma. Ça fait du bien. Ça y est. Luxueux Luxembourg. Wouhou. Ah, oh, ça fait du bien, ça fait du bien. Ah, pas facile. Pas facile la partie. On est quand même rendu en 1700, 1907. 70 ans. 71 ans. Dans la partie pour avoir le luxueux Luxembourg. Des manufactures de meubles presque niveau 110. Du textile et du verre à un niveau, mais absolument abrutissant. Oh là 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 là, je suis tellement content. Ah, je suis tellement content. Hop, on va faire un. On va continuer un petit peu la partie juste pour le fun, mais. Oh, c'était pas donné, hein. C'était pas gagné tout ça. Hein. C'était pas gagné. Là où ça a commencé à aller mieux, c'est quand j'ai commencé à avoir un peu plus d'autorité grâce à. Grâce à. Faut que je le remercie, il s'appelle Freud, je crois en plus. À Sigmund Freud. Grâce à Freud qui a une popularité de fou, qui me donne 95 d'autorité. Ah là, maman. Merci à lui, merci à Freud. On va même se permettre d'investir en Prusse. Donc pour rappel, début de partie. Allez, on va faire un petit récap hein, pour ceux qui viendraient d'arriver. Pour rappel, en début de partie, on est sujet du Pays-Bas. Donc. On fait partie de comment ça s'appelle du marché des Pays-Bas, marché néerlandais. Sauf que, hop, comme vous pouvez voir, on va zoomer. Vous pouvez voir en fait, on n'a pas de route commune, on n'est même pas attaché, on n'est même pas collé aux Pays-Bas. Donc on n'a rien, on n'a vraiment que notre production locale. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à. Bah, tout simplement, je me suis dit, bah non, en fait, je suis plus ton sujet, je pars. Ils m'ont fait la guerre, mais vu qu'ils n'ont pas. D'accès, ben ils peuvent même pas m'envahir. Donc au bout d'un moment, ils font la paix parce que ils se mettent un peu trop mal. Puis j'ai réussi à rentrer dans une union douanière avec la France sans être assujetti. Je suis pas assujetti. En même temps, la 9e puissance, normalement, je peux pas. À partir de là, en chopant le marché français, j'ai pu me concentrer sur seulement trois productions. Enfin, bon, l'administration gouvernementale et un petit peu les universités mises à part. Je me suis concentré sur trois productions uniquement. On voit, en ressources, j'ai rien. Les terres arables, j'ai rien. J'ai un peu de voies ferrées parce que bah t'as pas le choix. Et le reste, c'est verrerie, usine de textile et manufacture de meubles. Et à partir de là, je suis parti aussi sur le côté un peu libéralisme. Et alors, je déconseille. Je déconseille le libéralisme, plutôt faire l'inverse. Plutôt faire quelque chose d'assez autoritaire parce qu'on va très vite être en rade d'autorité et l'autorité ça va nous servir pour principalement la terre d'accueil et la promotion de l'industrie manufacturière. Ça vous rapporte, on rappelle, 20% de production des manufactures. Et ça permet d'avoir plus 50% d'activité migratoire. Quand vous partez avec un pays qui a 200 000, même pas 190 000 de population au début, et que vous devez être premier producteur de 4 trucs, autant dire qu'il vous faut de l'importation, pardon, de l'immigration. L'importation, n'importe quoi. Après, vous pouvez aussi, moi comme j'ai fait, c'est la mobilité sociale qui permet d'avoir plus d'éducation. Plus d'éducation permet d'avoir plus facilement la technologie et donc forcément de développer plus vite. Bah, par exemple, tout ce qui est secteur de construction, principalement. Augmenter à fond le secteur de construction parce que bah, t'es dans une seule province. Là, dans mon cas, j'ai une seule province, donc je peux même pas dire je divise mes productions dans trois provinces différentes. Ben bah, non, même pas. Donc ça va très vite. Entretien des routes, ça peut aider. Pour avoir à payer au début moins de. Moins de voies ferrées, parce qu'on a quand même une voie ferrée niveau 40.
Ça coûte cher. Je ne saurais pas dire combien coûte, on va regarder ça. Subvention. Je paye 100 000, ouais, presque 100 000 en voie ferrée. Et à partir de ça, bah, au bout d'un moment, ça va être stable. Si vous avez de la chance, le marché français sera pas déconnant non plus. Parce que des fois, bah, il va y avoir une révolution, il va y avoir des problèmes d'importation, etc. Et ce qui fait, bah, tout simplement, que vous n'aurez pas assez de biens entrants. Par exemple, moi, le bois dur, ça a été une galère, mais pendant longtemps. Le bois dur, bah tiens, vous voyez, hein, là par exemple, il en rentrait pas assez. Et par moment, bah, ça va vous faire baisser la production. Et par exemple, bah, le français était premier devant moi pendant longtemps. Et à force d'en produire, il s'est dit, ah merde, je vais peut-être pas produire de ça. Et il a changé ce type de consommation. Et à mon profit. Et ce qui fait que moi j'ai continué, j'ai blindé sur les meubles de luxe. Et bah, gros pari, hein, gros pari. Et j'ai dû faire 40 manufactures de meubles en histoire de 1 ou 2 années de jeu. Et c'est comme ça, bah, qu'on vient de réussir à avoir ce succès. Oh là là, ça me fait tellement du bien. Ça me fait tellement plaisir. Luxueux Luxembourg. Voilà, ça me fait du bien, ça. On va pouvoir partir sur un autre succès. Celui-là. Celui-là, il me donne envie. Ah bah super. Va falloir réparer un petit peu ça, mes amis. Je ne sais même pas qui est l'éditeur du jeu, mais il va falloir réparer ça. Ces deux-là, ils me donnent vraiment envie. Bon, ils sont super difficiles, mais. Commençons avec l'Empire Sic. Donc l'Empire Sic qui est ici. Assujettir la Grande-Bretagne. Ouais. Juste avec ça. Hein. Donc va falloir se débarrasser de la pression d'un premier temps de. Alors là c'est le Reich britannique, mais c'est les Indes orientales au début. Et le deuxième, c'est. Ah bah là il n'y a même plus. C'est le territoire indien. Au début de la partie, il y a un territoire indien qui est là. Qui est. Dans l'Oklahoma, je crois, ça fait une partie de l'Oklahoma. Je dis pas de bêtises? Ou l'Arkansas? Un des deux. Et le succès, il dit. Prendre. Assujettir. Attends. Commencez un territoire indien et faites des États-Unis votre sujet en les limitant à 3 États maximum. Ça doit être. Lui, il est dur, l'Empire à la baguette, il est dur. Pas de problème. Mais lui. Parce que tu dois conquérir, donc ça veut dire que tu dois. Ou alors tu dois t'allier. Ou alors tu dois faire les bonnes alliances. Si tu fais les bonnes alliances, par exemple avec le Mexique ou un truc comme ça, tu peux arriver à réduire énormément le nombre d'États. Mais le problème, c'est qu'il va. Il fait ses colonies, hein, lui, en Afrique. Ouais, ça va pas être simple, hein. Lui, il doit être hardcore. Il y a quoi qui peut être sympa aussi? On va prendre dans les premiers défis. Terminer l'objectif, apprendre le jeu. Ah. Ça peut être pas mal, ça, pour commencer. Révolutionnaire, passer. Ouais, pour tout ça. On commence avec le Grand-Bretagne, expulser les diplomates français tout en ayant des relations cordiales. Au moins cordiales. Ouais, bon, bah, tout ça, après, c'est. Pas très très compliqué. C'est moins la raison du signe d'Ali Punjab. Ouais, ça j'avais commencé, mais j'ai mon jeu qui a crash, donc non. On commence à instaurer une forme de mouvement anarchiste. Okay. Commune de Paris, on commence avec la France de une République des conseils en mettant en place une économie planifiée. Ok. Pas de minéraux, on commence avec l'enfant encore fort et tous les états du monde sur la loi. Avec les écoles en enfant primaire obligatoire, ok. Je suis en train de voir, mais au niveau des stats, 7e PIB. 28,4 au niveau de vie. Radicaux.
Ouais. Je crois qu'on a monté au le nombre de radicaux maximum qu'on a eu dans la partie, ça devait être 6000. 6000. Sur 6 millions. Là, on a 765. Hein? Je suis sujet? Comment ça, je suis sujet? Je suis pas sujet. Attendez, 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 comment ça? Je suis pas sujet, je fais partie de la... L'union douanière, mais je suis jamais sujet, moi, j'ai jamais accepté ça. Ouais, union douanière. Pas sujet, qu'est-ce qu'il a fumé, lui? Pacte diplomatique ou diplomatique, c'est... Ah, faire partie du marché. Ah putain, mais... Au lieu d'aller chercher ceux qui font... ceux qui sont fantoches, ils ont dû aller chercher ceux qui sont dans l'union douanière. Ah les cons. Bon, c'est pas grave, tu me diras, mais... Mais bon, on est comment là? Parce que j'ai laissé tourner un petit peu de temps, mais j'ai pas fait attention. Et on n'a même pas tout au max, putain. On n'a pas de pétrole donc. Et urbanisation, plus de 1000. Oh, le centre urbain, toi. Putain, mais ça veut dire. J'aimerais bien savoir où est le. Genre, où sont les premiers centres urbains quoi? 27, non mais 28. Alors, une petite idée déjà. Quant au... Non, même pas. Ici? Non? Bah. Ici alors. Mais c'est quoi ce délire? Attends, c'est les endroits les plus peuplés, pourtant je peux pas. Autriche, 16, 15, 17, 18. J'ai un centre urbain à plus de 40, à plus de 60. Bah. Ah, c'est au niveau de la productivité. Ah, bah après, niveau productivité, si je mets tout ça. Ah ouais, bah oui, forcément, ça augmente. Et encore, là, j'ai même pas tous les emplois dépourvus. Là, si j'avais l'électricité, ça se passerait encore mieux. Tu sais quoi, je vais tester. Voilà, on va faire de la prod, un peu d'EHEC. Charbon, 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 bof. Le truc c'est est-ce que j'ai assez, enfin il y a assez de moteurs sur le marché? Parce que ça j'en fais pas moi. Il y en a pas ouf mais il y en a. Commercial un petit peu. Oh, le nombre de constructions simultanées. Par contre, je perds de la thune. Hein. Oula! Ah, le fonds d'investissement, ça picote, hein. Bon, j'en ai de côté, tu me diras, mais... Protection des travailleurs. Ça ne m'intéresse pas. Mais bon. Plutôt content de cette partie. Plutôt content d'avoir un succès difficile. En plus, ben c'est pas ça que je voulais faire. Y a quoi dans le même style? Ouais. Ouais.
Ouais. Roche. Il est pas facile lui avec l'assurance maladie. Attends. Ah si, c'est l'assurance maladie publique, c'est bon. Oui, bah, ça pas compliqué en vrai celui-là. Ah. Intéressant. C'est mexicaine. Les réservations au niveau pacifique, ouais, pourquoi pas. Celui-là, il est pas facile non plus. Faut pas perdre de temps. Ok. Bon allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous remercier à tous d'avoir suivi ce bon petit live cam de 5h30. Un bon rush de 5h30. J'espère que le contenu vous aura plu. Peut-être que vous allez vous-même refaire ce challenge pour votre partie. Voilà, on va peut-être restream, je vais peut-être restream dans les prochains jours. Je saurais pas dire honnêtement, j'ai pas d'horaire ou de date ou de choses précises. Donc si jamais vous voulez passer, n'hésitez pas. Si ne vous voulez pas, bah ne passez pas. En tout cas, ce fut un plaisir. Ça m'a fait très plaisir. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao à tous!